Moi je suis comme Marcel, un éternel enfant. Je lui fais la courte échelle pour qu'il traverse le temps. Je lui dis... Bertrand Roseau, donc le manager général de la formation du Paris Saint-Germain. J'ai le plaisir de revenir encore à Pierrefitte, dans un club qui semble, et on voit maintenant le constat où il y a des très très bons résultats au niveau des jeunes, hein, puisque c'est le deuxième petit hein, qu'on fait signer sur une même catégorie d'âge. Hein, donc ça montre la qualité du travail qui est mis en place au niveau du club, hein, que ce soit avec ses éducateurs, soit dans son recrutement, dans l'accompagnement des jeunes. C'est vrai que pour nous, c'est quand même exceptionnel de venir sur une même promotion deux fois dans un club hein, pour pouvoir faire signer des gamins pour le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que pour nous, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc bravo au club de Pierrefitte. Et c'est vrai que c'est un club qui mérite vraiment d'être accompagné et d'avoir des aides qui permettent aussi de continuer à exister, de s'améliorer, de pouvoir grandir. Et c'est vrai que pour le moment, on va dire que ce passage se passe bien, mais qu'il va falloir continuer. Et bien sûr que les clubs ont toujours besoin d'aide et je pense que c'est un club qui le mérite vraiment par rapport à ses résultats. Allez, chou gamin, vas-y, chou dans le vent. Christian Pernaud, maire adjoint délégué au sport de la ville de Pierrefitte sur Seine. Alors je suis là ce soir parce que c'est un deuxième grand événement pour le Pierrefitte Football Club avec la signature du deuxième U12. Aujourd'hui, le Shams Souley, qui a été précédé il y a une quinzaine de jours par un autre joueur vainqueur, Nzinga, ce qui prouve le vivier du Pierrefitte Football Club chez les jeunes en tout cas. Il faut dire que le Pierrefitte Football Club a pris son indépendance du club omnisport en 2014. Alors c'est bien sûr, c'est une grande fierté pour l'élu que je suis, hein, pour le maire de Pierrefitte, pour tous les élus. Le budget consacré à l'activité sportive et au développement du sport est presque de 6%. Donc vous voyez que l'effort qui est fait par la ville de Pierrefitte pour justement que tous nos jeunes prennent goût au sport, prennent goût à l'effort et que chacun le pratique selon son niveau. Alors bien sûr, il y a le petit niveau, ceux qui vont courir, jouer, sauter pour leur plaisir, mais il y a également ceux qui font la compétition et qui, au fil des compétitions, progressent. Et on le voit aujourd'hui avec le Pierrefitte Football Club. Allez, joue gamin, tu auras bien le temps. Un enfant qui a débuté chez nous en U9 avec mon collègue Hachek, qui ensuite a monté avec moi et aussi avec Hachek en U10-U11. Donc on a pu voir sa progression et nous sommes fiers du travail que nous avons accompli. C'est un travail de plusieurs éducateurs. Ça montre que vraiment au sein du Pierrefitte Football Club, ça travaille et ça montre qu'on va tous dans le même sens. Bonjour, moi je me présente, c'est Hachek. Ça fait déjà 5 ans. Franchement, au début il est venu, il était un peu timide. Il ne savait pas c'est quoi le foot, il ne connaissait pas, il ne savait même pas me faire un jonc. Là maintenant on a vu le travail. Maintenant ça fait maintenant 5 ans, comme je viens de vous le dire, qu'il a travaillé, il a travaillé dur. Mais c'est pas fini. Ok, il reste beaucoup de travail à faire encore. Mais j'espère que aujourd'hui c'est Charles, demain j'espère que ce sera quelqu'un d'autre. Mais en tout cas on est vraiment fiers pour lui. Et que le vent t'emmène, et que le temps t'apprenne. Alors oui, Dani Camara, président du Pierrefitte Football Club, aujourd'hui il est doublement satisfait. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre en moins d'un mois pour la deuxième signature d'un joueur d'avenir, on espère. Voilà, aujourd'hui c'est encore une grande fierté. Je suis très ému parce que au départ quand on a commencé on avait des moyens limité, on a toujours des moyens limités, mais on arrive à s'en sortir, on arrive à progresser, on arrive à évoluer grâce au travail des entraîneurs, des éducateurs. Et aujourd'hui, on voit bien, comme je dis à chaque fois, le travail, ça paye. Quand on travaille, à un moment donné, ça paye. Aujourd'hui, voilà, on a un club amateur du 93, encore une fois, avec des moyens très limités, et on arrive à faire des exploits, à faire de la magie, en faisant en sorte que voilà, des petits jeunes de Pierrefitte qui viennent des quartiers difficiles arrivent à aller au Paris Saint-Germain. Donc c'est une fierté pour nous, c'est aussi un plus pour les parents, parce que ça leur permet aussi de s'en sortir. Même si voilà, rien n'est fait, il reste encore beaucoup de travail, puisque le plus dur arrive. Voilà, maintenant on lui souhaite tout simplement une bonne chance, et on espère que vraiment il va représenter le club au plus haut niveau.
Voilà. Je t'apprendrai les voyelles, toi tu liras les romans de Pagnol. Petite vidéo aujourd'hui pour célébrer la signature du jeune Soulé Champs, joueur né en 2007. Donc c'est le deuxième joueur en 3 semaines qu'on fait signer dans un club professionnel. Donc c'est un joueur qui s'est engagé avec le club du Paris Saint-Germain. On est très content pour lui, on félicite la famille, l'ensemble des éducateurs avec qui il est passé, l'ensemble du club, parce que c'est le travail de tout un club vraiment. Aujourd'hui c'est un joueur qui est arrivé il y a 3-4 ans au club et on a vraiment vu une grosse évolution. Donc là on est très content pour lui. Il s'est engagé pour 5 ans au PSG et donc il continuera à jouer avec le club de Pierrefitte. Donc encore une fois, on est content pour l'ensemble du club, on est content pour la famille de Charles, c'est lui-même qui est très content de s'engager avec un gros club comme le Paris Saint-Germain. Et c'est l'occasion de un petit peu montrer que le club travaille bien et qu'on a de bonnes conditions pour faire travailler en fait nos jeunes joueurs. Donc on est content pour Charles, on lui souhaite le meilleur et merci à lui et sa famille pour nous avoir fait confiance. On espère que ça sera lancé d'une lignée et qu'il va y avoir beaucoup de joueurs derrière qui vont pouvoir, en passant par le club de Pierrefitte, donner lieu à la réalisation de leurs rêves et j'espère que ces enfants finiront au plus haut niveau.